des individus. Votre temps de parole est... Ah, t'as mis des farayoudes sur ta bagnole. Pourtant, moi, j'étais juste en Mitterrand. Antisémitterrand. Mais j'en ai marre de votre système de merde, d'oligarchie, la plutocrate à deux balles. Là. Toi, c'est sûr que t'as l'eau chaude. Hein. C'est des reptiliens, ces machins-là. Ils servent que de 10% du cerveau, même pas. Ils datent de Néandertal, là. Quand c'est qu'on met un peu des jeunes là-dedans là. C'est quand la déconstipatitution, là. C'est marrant, il n'y a pas le macro, là. Il n'y a pas le Macron. Économie, t'en fous. Par contre, il y a crâne d'œuf. En vérité, je l'aime bien. Si ça se trouve, c'est Estrosi que j'aurais dû vomir. C'est pas Ciotti. Peut-être c'est bon signe. Dans les inconnus, là, c'est de la peur. Quand je suis content, je vomis. On ne sait pas qui s'emmerde, mais... La nécessité de mieux sécuriser l'environnement de la manifestation. Lors de la seconde réunion qui s'est déroulée le 7 juillet à 15h, un accord avait été trouvé pour mettre en place un contrôle aléatoire des accès, comme pour le carnaval de Nice. Qu'est-ce qu'il faut comme patience pour être au pouvoir d'enculé ? Ils ne sont pas pour le peuple, ces gens-là. Ils sont pour leur petit confort, leur petit gacha partout sous coque avec des jeunes... Mais chacun ça, bon, pas tous quand même. Sur la promenade des Anglais et ses abords, car c'est une responsabilité du maire, de la police municipale. Ce dispositif a été concerté. Je veux savoir, moi je suis ministre de l'Extérieur. Le maire de Nice. Sinon, cela je suis chef d'état d'âme. La collectivité locale et je peux plus vous saquer. C'est pas l'État qui organise les feux d'artifice dans ce pays. Moi je fais crise de Nice, c'est pas pareil. C'est de sauver la planète et remonter le niveau de l'esprit. Vous raisonnez pognon, vous pensez pognon, vous êtes pognon. Montre-moi une fiche de paye de fourmi ou d'abeille, là. Comprenez même pas pourquoi vous êtes né. Comprenez même pas pourquoi votre cœur y bat. C'est même pas vrai. Ah si, c'était pour la fan zone, t'étais fouillé trois fois. Et pour le 14 juillet, il n'y avait pas un rat. La ville où il y a le plus de caméras du monde. C'est là où il y a le plus gros merdier. Nous devons, ben oui. Vas-y sur le ring, toi. Toi aussi. Ah, ce sera pas toi, hein. Justement, les laïcs, c'est comme le numérique, c'est électronique. C'est un pays qui compte des millions de compatriotes et de concitoyens musulmans et que le terrorisme s'attaque à notre société pour la diviser et nous vaincrons d'autant plus que nous serons unis et solidaires face au terrorisme pour le vaincre. Tu t'as pris pour la Coupe de France, toi, quoi. Pour l'Euro, là. Quel beau baratin. Merci, monsieur le Premier ministre. Allez, va, arrive. Bon, tu parles pas du nucléaire un peu, tous les gens que t'as mis dans la merde, là. Tu sais, ceux qui jouent au manioc à merci, 70% de radioactivité, monsieur, là. Monsieur t'en parles pas de ça. Au Premier ministre. Allez, nous ça y est, ça m'énerve. L'ethnie terroriste là où il se trouve. À l'extérieur, comme à l'intérieur de nos frontières. La menace est protéiforme
et le combat est dur. Je veux donc ici saluer, en tant que président de la commission de la Défense et au nom de l'ensemble de mes collègues, très solennellement, et à l'heure où nous déplorons 3 morts à nouveau parmi nos forces, leur professionnalisme et le courage de nos soldats comme de leurs chefs. C'est planétaire maintenant qu'il faut faire. Je le pense, les doigts, ils doivent être planétaires, un petit peu pour tout le monde. Ce combat, nous allons le gagner. Car notre stratégie ah non, vous êtes... comme la stratégie de nos soldats, l'air gentil, mais... Nous éradiquerons l'ennemi afin qu'il ne dispose c'est l'apocalypse. De l'initiative sur le terrain. Nous l'éradiquerons au cœur de son dispositif. Vous préférez faire fosse commune que caisse commune. Contre nous et jusque sur le territoire national. C'est le sens de l'engagement de nos forces au Sahel, en Irak, en Syrie et aussi en Libye. Nous vaincrons l'ennemi car nous nous en donnons les moyens. Tu connais les francs-maçons du 33e étage, toi ? À la fois le budget, mais aussi nos effectifs. Ainsi, ah, Léon Macro. Nous vaincrons enfin car le cadre de notre action au sein de la coalition est clair et légitime. Je le sais, nous le savons, la France n'a pas ménagé ses efforts pour faire converger les actions militaires. Mais qu'est la France et la planète ? Vous ne comprenez rien. Commun, l'élimination de Daesh. C'est l'objet aujourd'hui du déplacement du ministre. Ça arrange bien quand un mec il devient fou. On dit oh bah c'est Daesh. C'est comme quand il tue les prêtres. Il leur coupe la tête. Oh bah on va dire que c'est Al-Qaïda, c'est pas nous. Voyez-vous, monsieur le Premier ministre. Allez, va. Arrive. Merci, la parole est à monsieur.